Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour nous d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau, sur une émission spéciale. Nous sommes ici Guy Wewe Radio. Nous sommes bienvenus sur la chaîne YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, tout côté de nous, puisque nous présentons sur toute plateforme ça. Nous avons essayé de jour en jour pour des informations pour faire découvrir des personnalités dans la musique qui ont même fait un gros travail. Je dis à nous gagner avec nous un monsieur qui a plus passé 50 ans d'existence, de présence dans le marché musical là et qui joue plusieurs rôles, qui c'est musicien, qui c'est promoteur, qui c'est producteur, qui c'est organisateur de soirées. Pratiquement, je dis fait tout métier dans le business musique ça. Et je vais mettre une interview ça déjà, c'est monsieur Dof Chancy. Et lui-même qui pourrait aller pour parler avec nous de carrière, de côté de sortie, de qui ça le fait dans la musique et qui vient l'englober tout chapeau ça. Et 50 ans, c'est beaucoup, mais pas assez de temps vraiment pour nous entrer dans les détails des choses. Et, mais nous pourrons regarder avec lui, qui vient de faire vivre une idée de maximum d'informations possible. Dof Chancy, bonsoir, comment est-ce? Eh bien, nous là, Guy, comment ça est? Un plaisir. Et moi, c'est racheté interview. Donc, je suis obligé de venir quand même. Très bien. Ouais, mais moi-même, ça me reprend pour que je me dise que pour qualité de travail que vous avez fait, au moins d'interview depuis même 2 ans, ouais. 3 ans depuis que je me dis que je fais interview avec vous. Donc, très bien. Je reprends jeudi à Anafel. Jeudi à Anafel. Dof, ouais. Ou bien plus que 50 ans dans le business, bien dit. Oui. Ouais, c'est ça. Plus que 50 ans, ouais. On joue plusieurs rôles et on connaît un paquet de wages, on connaît un paquet de bagaille dans le business ça. Je ne vais pas laisser qu'on ait bagaille ça. Mais juste avant de revenir dans tout le détail, ça, au passage dans le jazz, dans le plus gros jazz dans la musique haïtienne, c'est Tabou Combo. Parlez un peu de qui j'ai commencé dans la musique. Mais la famille Chancy même, qui son nom en référence à la musique haïtienne. Bon, pour nous commencer, nous avons commencé en 1967-1968, lorsque papa m'a acheté une guitare. Pour Frémin Albert. Et puis moi-même avec Albert, nous partageons même chambre. C'était nous deux qui étions la chambre. Donc Albert lui-même là jouait guitare, mais tout ça le fait, il fatigué, me dit le bam foncou. Tout ça le fait, m'a fait tout. C'est comme ça nous commençons à jouer musique. Donc, lorsque Albert lui-même est arrivé, il fait un bagage. Moi-même, quand il y a si je ne comprends pas, je lui ai montré tel accord, montré tel accord. Donc, quand il y a là, je n'ai pas appris à jouer la guitare. Là, il a appris à jouer la guitare. Et il a appris à jouer la guitare, mais monsieur jouait là, Tabou Combo, moi-même, beaucoup joué le jazz. Ce mal joué le Whitmire. Ah bon? Ouais, mal joué le Whitmire comme solo. Mais c'est même musique Tabou Combo, moi-même, que m'a joué avec le Whitmire. Richard, Joël. Donc, nous venons arriver dans le stade côté Grenelle, Petionville là. C'est presque même communauté. Tout le monde compte tout le monde. Donc, nous venons jouer même musique avec Tabou Combo. Et puis, Ghislaine, Yapatia, tout le monde. Là, nous passons de stage à. Quand il y a Tabou Combo, il y a 4 personnes qui viennent quitter le jazz. Les 4 personnes qui étaient jazz là, donc on y a là, Albert Jimbo et Wap. Mais pendant que je jouais là, Tabou Combo, je jouais gong. Je jouais guitare là, les Widmeyer. Donc, le. Le premier instrument sont guitare, c'est pas basse. Non. C'est pas guitare basse. Pas de colla basse même. Ouais. Premier instrument c'est guitare et puis gong. Pendant que je jouais gong là, Tabou Combo, je jouais guitare là, les Widmeyer.
So, l'aime venir, le gay 4 moun qui quitte Albert Jim Moussa. Bon, nous avons une balle que nous pouvons jouer. Et. Ou a quitté Gonda, ou pral jouer basse. Parce que bassiste là, quitté. Non mais. Comment du jour au lendemain qu'on soit passé de bassiste, de gong? Qui vient expliquer ça? C'est la chambre d'Anouillet. C'est la chambre d'Anouillet. C'est un ami nous créé Daniel Lascaz, des feux, qui pour ton basse. On prend Banou. On prend monsieur, on prend des basses là. Et puis Albert Jimdo, Fa, Sol. Comment tu as notre guitare déjà de base, donc basta n'est pas trop difficile. Voilà, voilà, c'est la difficulté. Et puis basta, tu n'as pas de solo là-dedans, c'est qu'un bois qu'un c'est non, basse, c'est basse, c'est qu'un bois qu'un bé. De vous qui me patent, non, vous mesurez. De vous qui me patent, non, et puis comme tu as joué musique, oui, oui, au même sens. Comprendre sur guitare, sommes déjà, reprendre passé, reprendre sur basse là. Facile, facile. Balle à jouer, deuxième balle jouer, troisième balle jouer, et puis qu'on y a la balle jouer, guitare, qu'on y a un bassiste. Alors, carrière bassiste, vous pouvez commencer dans. Là où vous commencez carrière bassiste dans Tabou Kombo là. Oui. À quel âge? Oui, là, à quel âge vous êtes là? 19 ans, 20 ans. Mais tu es quand même dans Tabou Kombo, tu es l'école dans la CPC, du côté de l'école. Bon, femme dire que j'étais l'école collège, hein, c'est Pierre. Je fais 5e, 6e, je fais 6e, je fais 6e, 5e, 4e, 3e collège, hein, c'est Pierre. Et on a parlé de on prend ça la ville. Mais après ça et bin al Kaipinette, chez Pinette. Chez Pinette là, c'est une école bourgeoise. Ouais bien, côté que je comprends, qualité de monde, l'école ça a été très 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 cher. Parce que faut me dire que à l'âge ça a tout, et je suis une machine, ouais bien, je suis une deux machines, je suis une Volkswagen. Et puis, à l'ASA? Oui, que à l'ASA parce que... Comment fait-il pas pour cacher vous? Non, non. Mon cher, son belle question. Machinio, son fille même. Mais c'était mal de mon gros chef. Mal de mon gros chef. Chef l'amour, vous avez parlé. Chef l'amour, vous avez parlé. Donc, c'était mal de mon gros chef. Mais... Les louer moi chaque fois au point madame na louer moi et puis il faut au point na pour moi même dire que m'pas ca ouelle au point comme ça parce que forme gain moyen de transport au point de couler la l'aston au point machine au point ba moi le mal le pour nous c'est à 8 clos au point c'est ça qui fait que musique là, je ne suis pas fin de comprendre tellement bien parce que je me suis dit que là même. Même là, quand même, le monde là, quand même, dit, mais oh, quand je viens pour acheter ma machine, ça y est, 2000 dollars, laisse ça, Volkswagen Bug, c'est gros, c'est belle machine. Donc, et puis, je comprends comme ça que mine machine. Vous voyez, et puis... Vous êtes des autres l'école? Hein? Vous êtes des autres? Hein, après. Des autres. D'ailleurs, femme du l'homme de l'école, nous avons deux places. Nous sommes derrière, nous avons joué, nous avons pris dans l'air. Nous avons ping, 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 vous comprenez, nous avons fait le professeur, vous comprenez, courir derrière nous. Même un jour, nous sommes derrière. Et puis, gosser le jeu tout, Mchita, parmi les premiers. Parce que papa m'a dit, la paix, la bombe, une bicyclette. Si m'arrivais premier. Donc,
Donc, pour m'arriver, première fois, je suis là, on prend devant. Devant. Avec l'équipe qui est première, deuxième, on prend Paul Cazot, jumeau de Lienne, on prend toute l'équipe, ça, on est qui est à premier. Il fallait que ça soit malade pour me deuxième. Pour me réussir, on prend le deuxième. Donc, il a dit que c'est des ordres en pile. Et l'aime arriver là, il y a l'âge. Là, je suis mieux, rappelez-moi, côté que j'ai gagné la machine et puis quand il y a là, fait un programme, nous prenons le Casablanca, nous prenons lancer de programme Payol, nous prenons Matisse, Cafou, c'était une belle époque. C'était l'époque, laisse m'a fait retour, c'est ça qui fait que j'ai un pile de déjoué, que n'ont pas passé l'école, parce que c'est pour mesdames, et puis. Bon, donc, tu es dans l'école, ou prends la musique après. Donc, ça veut dire, qui m'a envie de faire l'école comme ça, Adolf? Moyenne 5 ou. Non, mais c'est plus que ça. Non, il faut me dire que je ne vais pas sortir de l'école. Parce que je suis très intelligent, je comprends vite. Mais capable de faire des problèmes, je ne peux pas remettre. Devoir. Je ne comprends pas parce que ma pas prendre leçon. Je prends de tout le bagage. Mais si tu comprends. Mais je ne bats mal. Et là, fin faire retour philo, sauf qu'on y a ou à la musique. Bon, non. Des équipes football. Oh, c'est une équipe de football qui était les Blues au noir, qui nous fait 4 ans champion. 4 ans champion. Donc, on était coach football ou on était joué football? On était joué football. On était joué la Pirate. On était joué la Chelsea. On était joué la zone qui n'a pas joué. Côté que nous avons joué. Et championnat ça yo il était qu'on fait dans Pétionville là la Saint-Thérèse. Alors sensation pour d'off toucher toute bagarre là c'est des petits gens. Oui. On a guitare, oui. On a basse, oui. Et puis on a gong, et puis là football, on a football, oui. Est-ce que vous te senti ou pas à l'aise? Ou bien ou senti ou t'es une capacité pour toute bagarre ça qu'il faut chercher. Non, ça veut dire que football. C'est qu'on soit même. Oui, le football là, t'es une capacité pour lui. Parce que toute équipe de football qui me joue est champion. T'es conduit à Arenal, De Villemé, à l'Opanier de Villemé, équipe non. On l'a fait Méloman. Non, Arenal De Villemé. Oui, Arenal De Villemé. Oui, on prend une fois qu'on t'a parlé. Oui. On prend son gros joueur. On prend le football, on déconjure l'équipe qui est Chelsea. L'équipe nous fait 2 ans champion. Et on déconjure la Pirato, c'est Emmanno qui te fait goal, mais l'équipe ça n'a pas de bon. Parce que Emmanno, c'est ton passoire. Et puis, goal. Bon, Emmanno, t'en débat pas. Même si on travaille pour faire gol, il a pris mettre gol. Très bien. Histoire tabou qu'on a commencé dans le lycée Pétionville, il y a parti, il y a les États-Unis, surtout un man, je crois, il y avait André Capi, surtout il y a l'école, il est arrivé à New York City, il a joué, on est qui gon jazz, et puis qui a demandé au fond de coup, ça c'est l'histoire de man raconté. Et puis, c'est après, yo pral prend jazz là dans mes nèg yo, mais tout le monde devait faire tout nèg entrer petit à petit. Et Choubou vient entrer en janvier 68. Mais histoire, nous t'a dit Herman raconté date 68 là, c'est pas 68 tabou combo fait, c'est 167. Non, 27 août 67. Tabou combo avant de les tabou combo de Los Incognitos. Los Incognitos, c'est le ça en 67 que le fait. Mais réellement, il vient changer non. Ah oui. Il vient changer non en tabou combo. En 68. Voilà. Alors, où Albert Chancy, tu es dans la base qui a fait tabou combo? Oui, c'est ça. Oui, donc, c'est Albert avec un man. Ou même, à quelle année vous commencez à jouer basse? Dans Los Incognitos, vous commencez à jouer tabou combo? Moi-même, je suis tellement désordre. Même dans la répétition tabou combo, je ne vais pas quitter mon truc. Tout mal gardé. C'est comme si je jouais
Kounia là, grand série de jazz, il ne va pas prêter tel monde à traiter parce qu'il peut dire tel l'autre monde. Mm-hmm. Donc, moi-même, là que moi, je vais la répétition. Je ne peux pas qui t'aime entrer parce que je suis trop intelligent. Je suis en train musique jouer la musique. Et là, ça va même le jazz pas me tout. Ah! Oh! Je suis peur! Ah oui! Mais, je suis m'entrer le jazz là quand même comme bassiste. Je suis toujours là. Mais grâce à frère? Grâce à frère. Non, mais c'est parce que. Il n'y a pas le choix. Mm-hmm. On prend une fois que tu es sauvé balle là. Mm-hmm. Tu es sauvé balle là. Et puis là, je prends basse même, je joue, tout le monde content. Deuxième balle là, je joue, troisième balle là, je joue. Si tu n'as pas de fort confiance dans le niveau ça, comment on peut avoir une influence dans le jazz là? Comment avant tout, on va commencer pour continuer pour gagner influence parce qu'on a composé musique, il y a une fort confiance. C'est ça que tu peux avoir confiance. C'est qualité de jouer tout. Et ou bien on veut une plus discipliné? Non, même plus discipliné. Et puis ensuite, et pour une femme Jojo, j'aime bien prendre net avec Jojo et j'ai deux machines. Je ne peux pas conduire les deux. Oui, quand il y a une machine à disposition avec Jojo. Voilà, quand il y a la mbaye, il faut faire un petit peu de conduire la donne, tu bois pas pour conduire la donne. Et man, il y a tout, il y a une machine pour y aller, moi-même, mon autre machine pour y aller. Donc, quand il y a la mbaye, on m'a. Important! On s'est mis de moule! On va pas jouer! Même Kubano, jusqu'à présent, Kubano, mais ça c'est Kubano qui fait qu'on présente jazz là, le jazz après le jeu, même Kubano qu'on prend une machine, il sortit, et puis Michel flané avec ménage, après ça le pot machine donné. Donc, net, c'est pas métier, là, je me sens très. Ou entrer dans le jazz là. Je me sens très, rentrer dans le jazz là. Et là, rentrer dans le jazz là, c'est pas pour du qui te gagne comme non, c'est $3, $5, jazz, t'es con. Je me sens chaque mère, t'es con touché. Mais moi-même, pendant ce temps, si je gagne une machine qui vaut $2000, $3. Ah, $3, pareil. Mais il y a de manger, il y a de manger. Ok, si je fais ma machine, je me compte tout. Quand même. Alors nous voilà tout dans notre partie d'interview. Parlez de commencement à Tabou Kombo. Là, on quitte ou même mon petit côté. Okay. Faut parler de Tabou Kombo même. Jazz à partie. Oui. Et ou même on partie tout. Vous me regardez ici. Non. Ça lui même mais exactement au point qui s'arrive. Nous devions un bon examen nous te conduire musique tout le titre Pascal. Titre Pascal son est qui prend balle là. Parce que le ça musicien t'es ciblé par une série de gros chefs comme si nous absorbions à Madame Negyore mais nous comme star donc il était on prend parents nous t'es bien obligé de faire réunion camper par ça parce que petit monsieur en danger. So, yo voyé Eman Pati, yo voyé Albert Pati, yo voyé Jamaïque, ou Webé Bivier. Et puis, donc c'est exactement comme ça que yo vin séparer nous de. On prend une jazz là, vin obligé, font. On s'est campé. Font. Non, c'est pas pour. Au campé, jazz obligé, campé net. Net, nous font dernier balle dans Ibolele. Voilà, nous font. Ou t'es dans le balsa. Ouais, m'te là. Même une fois, on a balle, je vois tout le monde parti. Moi-même, à l'école Jamaïque, en fait, je fais un an, je prends l'école, je prends l'anglais. Après, Jamaïque, je suis Puerto Rico. Même pendant ce temps, tout le monde a monté. Emman monté, Jacques-Jean monté. Tout le monde a monté à New York. Mais moi-même, c'est comme je vais Puerto Rico, me rencontrer avec mon nègre, qui dit comme ça, oh, mais sous Puerto Rico, où elle doit aller à New York, je dis, oh, qui j'en, je ne vais pas dire comme ça. Je dis, c'est pour Puerto Rico ou aux États-Unis. Je dis, sors, je dis là.
brûlé sous bout. Je me dis, Napton, nous. Pour avion. Ah, je me dis, tendez ça, on se met même battre pour avion. New York. Est-ce que c'est une folie à l'époque ou à les États-Unis? Non, à part de ça, ou même c'est musicien. Je suis en Puerto Rico déjà. Right? Je ne sais pas si je suis en train de parler, mon côté qu'on est à Capi, Fati, Bot, et mal, nous tous les gars. Oui, non, là, c'est Capo, je comprends Capo, là, ou Capati, on est privé les joueurs. Mais maintenant, dans la réalité haïtienne, est-ce qu'il y avait toujours cette folie d'aller aux États-Unis? Est-ce que dans la population, c'était comme ça? Oui. New York même. Oui. New York. C'était la folie tout et tout. Oui, c'est-à-dire que là, année, ça, pas de gaffe. Miami, tout le monde c'est de New York. Et puis pour un avion, je suis blanché, je suis un taxi, je suis là, et puis réunion fête là, à souhait, Dauphine, Baga. Fête. Là, où tout intègre automatiquement, ou pas la soude dans ta combo. Oui, mais le ça, jazz là, t'es un temps. À Péjouel, c'est là que tu as recommencé? Oui. Ok. New York City, jazz là pour continuer. Là, nous, quelle année là exactement? Là, 71, 72, pour Canada Sucre. Ok. Nous venons pour jazz là au sérieux. Plus, puisque nous, tout ensemble, New York City, nous sortons des dangers qui sont à Haïti. Donc danger côté que nèg t'es influent, oui. Le cap en forme chef. Oui, le prétexte voyer nous l'école, oui. Et puis pour te sauver nous. Oui, monsieur Baba. Oui. Bien sûr. Jazz campé, jazz pour Haïti jazz la campé, oui. Donc dans New York. Oui. Donc là nous venons New York, nous pour commencer produire en aller. Donc comment production, comment on va continuer produire à Tabou Combon. Bon, là nous arrivé l'année ça c'est époque Canada Sucre moi-même. Comme c'est un visa étudiant que je j'ai un statut pour aller à l'école. Donc on est là, je viens de faire un transfert de Puerto Rico à Columbia University. Donc, mal à l'école, mais. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Je vais apprendre business. Administration. Ouais. Donc on est là, mal. Mais après ça. Après ça, quand il y a le jazz là, nous venons sortir 8e sacrement en 1974. Le jazz là après pour tourner sérieux. On prend sérieux. Mais jazz là pour tourner sérieux. Mais nous-mêmes. Nous parlons de niveau jazz là. Du tout. Nous parlons de niveau musicalement de ce qui t'a passé. La musique, nous parlons de niveau. Nous parlons de niveau jazz là. Mettez-nous. Oui. Ouais. Parce que nous-mêmes, nous sommes bons petits monde qui ont fait la musique. Nous parlons de ça, nous parlons de l'importance, nous parlons de réalité ça. Et puis jazz là, éclaté dans New York, en Europe. Histoire ça. Balabal. Fait plus bruit avec l'album New York City, je crois que c'est. Oui. Avec un BC Bassouli. Non. New York City. 8e, ça comment oui. Ah, mais BC Bassouli, nous reprenons BC Bassouli New York City. Non, nous reprenons New York City. Sous. Avec Horn, avec tout le monde. Ah, nous reprenons sous. Oh. Nous reprenons. Oh, ok. Yeah, c'est ça comment nous connaissons sous. Bon, New York City sous BC Bassouli. Mais sous BC Bassouli. Il est sorti sur 8e. Ah, 8e sacrement, c'est version originale là. C'est ça fait, c'est le ça d'Adou parce que le jazz là, c'est original là qui pétait le plafond en Europe. On pense qu'il vend millions d'albums. Comment qu'est-ce qui fait musique ça? Parlez de l'histoire. Comment tu parles de l'histoire musique ça? New York City. Si je me rappelle, c'est que Jean-Claude Jean est venu avec
mélodie. Parce que le tabou combo, pas de monde qui est capable de dire vraiment que. Pour faire musique pour quoi 100%. Pour musique pour quoi. Ça, c'est pas qu'à passer Kounia là, mais longtemps, c'est rassemblement, tout le monde dans le basement. Et puis, Dial a joué ça, Dial fait ça, ça dit, oh, bambou, guitare là, arrêtez ça, ça dit, bambou, cœur. Et puis, nous tous, on va en coller. Donc, il a dit que pas grand monde spécialement qui est capable de dire époque ça. Que c'est eux-mêmes qui font musique de A à Z. Nous te présentons tout à l'heure comme on est qui gagne plusieurs casquettes et qui toujours fait plusieurs bagages en même temps. Oui. Dans l'époque, ça, on joue musique seulement dans Tabou Combo ou on fait l'autre bagage parallèlement dans New York City qui se parle un peu de la vie, pas ou en dehors de Tabou Combo? Non, moi-même, l'époque, ça, en 1974, moi, je fais un taxi. Dès qu'on fait un taxi, je venais avec une équipe nègre qui était là, New York là. Et puis, parce qu'il faut vivre. Ouais, ouais. Donc, le taxi, c'est trop facile. On prend une facile. À la mettre pour plume, on écrit livry. Et pour mettre là avec une petite lumière sous le bord droit là, on pas besoin de plaque, on va besoin de même. Et puis, pour prendre lumière, on prend lumière, après tout. La game sur Fulton, la game boy ici, la game boy ici. Donc, première machine, je vais m'acheter pour $35. New York. New York. Ah, il y a tout de suite. Oui, il y a tout de suite. Ah, oui. Oui, la vie New York. La vie New York. 35 dollars. Son nègre connaît pas être pas de long garage. Nègre là, apparaît avec tout. Ça a été long. Lincoln. Et puis, nègre a dit, hey, my friend, I want to sell this car. How much? C'est $35. Il dit, oh. J'ai 25 dollars en Bali, monsieur Bawé. Monsieur Bam title. Pour qu'on machine. Monsieur Bam title là, même jour, mal pris ton plaque, taxi, mettez, il n'est pas pour la plaque. Il y a pour la plaque. Non, non, il n'est pas pour la ou pas pour machine, il n'est pas légal. Il n'y a pas besoin qu'on est. Et puis, je prends la machine là, je prends la plaque là, je mets la lumière, et puis, je suis Fulton, je suis Stan Bakoué. Et puis gaz collé. Où est venu le Tabou Combo à jouer plus soit dans un taxi? Combien de fois vous avez joué par mois? Où est venu l'époque ça? Non, pas de gaz, pas de gaz. 100 dollars, son gros paquet là? Non, pas de gaz. Bon, comme machine, je fais long. Même jour soir, je fais. Vous faites comme machine là? Et puis, on prend comme ça, moulé. Après ça, je suis une deuxième machine que je suis appelée. On l'a dit à mon Patrice Pierre. On prend que je loue la machine pour 100 dollars par semaine. Donc, on prend comme ça que nous tous. Parce que pas de monde qui est capable de vivre à New York. Et puis, je viens au Ja. Au Ja, là, à Boubouler. Non, c'est Bruno Bouvet. Bruno, ouais. Très bien. Ou pourquoi entrer dans l'autre chapeau dans la musique là? Ou était seulement dans un taxi, Tabou Combo? Mais qui l'a commencé à faire l'autre bagarre ou à commencer à produire? Bon. Ou bien si vous voulez finir avec son Tabou Combo, parce qu'on va finir. Ou vous voulez quitter jazz là? Non, ça a l'air. Après, à loin net? Oui, ça a l'air même. Ou pas 20 ans après? Oui, oui. Mais l'aimbre entrer dans la production, c'est le en 1978. En 1978, là que je regardais en pleurs que jazz la prend, j'ai des millions d'albums qui vendent, j'ai des pile cop. Pour l'administration. Vous comprenez ce que moi-même, je suis businessman, je m'apprends dans le business, je me dis, oh, tout va bien, qui vont. Je me dis, bon, si le business là, il y a tout pile comme ça là-dedans, million parce que Barclay des fois voyage mal en France, même mal côté Barclay pour demander monsieur rapport parce que le ça c'est moi même qui viens maestro jazz
C'est-à-dire que là où bon job pour maestro jazz là, faut qu'on fait travail à bien. Là où mettez maestro qu'on y a la jazz là, River Press, Maloué avec Barclay, on a quitté pour aujourd'hui. Album New York City, on a gagné New York City. Canasuc. Non, c'est pas Canasuc, non, 8e Sacrement, New York, 1 City. Monsieur Jim, Monsieur Chancier, je peux vous affirmer que j'ai fait 2 millions avec vous. Mais j'ai payé à Monsieur Carbaza ce que je lui devais. Donc, je ne vois pas comment que le qui est Monsieur Carbaza à l'époque. Monsieur, mais ça qui est arrivé, l'album n'a été produit par Mini Record. Mm-hmm. Mini Record, représenté par Fred Paul. Et il était avec Fred Paul avec un autre. Et donc, l'album n'a vendu dans toute l'Union de Sahel, c'est Carbaza lui-même qui était tant de musique là, qui voit que musique là pas le faire hit. Il était venu signer un contrat avec Mini Record. Avec un Mini Record. La loi Van Barclay. La loi Van Barclay. Donc, ça qui vient arriver, c'est que Carbaza, étant donné que Carbaza a signé avec Mini Record, et Carbaza a signé avec Barclay. Barclay. Donc, Barclay payé Carbaza pour Carbaza payé Mini Record. Donc, c'est là que 4 là. 4 là bouillé dans nous. Bouillé. Et puis nous perdu. Ouais, combien de copes nous fait dans l'album ça? Nous pas faire. Ah, et même? Nous. Sous-bas, il y a un tribunal passé. Ça, c'est un travail qui va à l'institut ou aller chercher qu'on est? Eh, nous t'as l'école. Papa nous paye l'école pour nous, on prend l'école, papa, parce que la vie, l'école, ce n'est pas pour nous comprendre l'oreille tout de suite. Non, on comprend, donc on est là, on vient suivre, on suivre le business là. Là, on vient voir que c'est la production. Comme là. Moi-même, je suis dans la production. On tourne en production. Très bien. Nous toujours bien avec nous Dove Chancier sous plateau. Nous allons parler de l'autre aspect de Tabou Combo, réalité dans New York City. C'est une pile polémique. Dove, nous dans les années 70, on a parlé de succès New York City. Et New York City, c'était capital compa. Oui. Mais dans le moment ça, 70-80, marqué pour une rivalité. 74-75. 74-75. Non, on parle de décennies de manière générale. Ah oui, c'est vrai que oui, de 70 à 80. Ah ouais. 80. Alors, gon polémique, tabou, skacha, nous avons un gros hit dans la radio en France, nous c'est des stars internationales qu'on y a. Oui. Ah ouais, c'est ça. Donc c'est pas comme si on jazz cap mène en diaspora. Oui. Nous sommes jazz cap mène pour des étrangers. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas une petite communauté. Non, communauté, non communauté. C'est mon jazz communautaire à l'étranger. Voilà. Comment on a vu bagaille ça et qui j'ai haïtien ouais nous. Ah, on sait femme du que son mec qui était décevant appel. Et Tabou Combo 1974, 75, 76, number one hit en Europe. C'est pas pour dire en français maintenant, en Europe. L'Italie, l'Allemagne, la France, toute Europe planète, c'est New York. C'est. Et puis là, nous finissons une tournée qui n'est pas fin, on prend trop pour tout. Parce que à cause de on promoteur les Benito de la prairie était mal recevoir nous. Mais Barclay lui-même, on peut venir prendre nous en main et puis faire nous passer dans toute télévision, dans toute radio. Parce que vous devez avoir à cette époque, ou après Michael Jackson. En deuxième, Tabou Combo New York City, en propre premier. Wow. Oui. Ou après tout le show Cool and the Game, ou bien compagnie, quel que soit le show Joe Dassin, Charles Aznavour, 5e, 6e, Tabou Combo,
premier pendant au moins 6 mois. Et ça fait me dire, ça qui décevant, c'est que le coup entre New York City, la Caillou, et puis on va jouer soit la Coconut Grove ou bien quel que soit, ou un côté de la Joueur, tu as beaucoup pas faire 50 000. Wow! Oui, c'est pas wow, non? C'est wow! C'est pas mais 50 monde. Oui, t'as beaucoup pas qu'à faire monde. Mais ça, c'est ce qu'à chaque temps, on prend talon les noms. On prend, à cette époque, mon compétition normale. Compétition, c'est ça reste toujours qu'on prend une compétition. Il n'y a pas de petit monde qui doit être calon, grand monde. On prend? Donc, et on vient apprendre un paquet de business là de ça qui arrive nous. Donc est-ce que quelque part ça pas expliqué le fait que un ensemble de formation musicale c'est une histoire musique là tout jazz qui est populaire en Haïti pas aussi populaire sur le plan international. On prend Karimi pas pour représenter une nouvelle génération, oui. Plus ou moins dans l'île d'Abou Kombo, dans la nouvelle génération. Sûr, ouais. Pas trop populaire en Haïti, bah, c'est ça. C'est ça. Tabou Kombo, ou dit, n'a bien mené, mais pas trop, pas trop bon de ton bagage. Mais je vais expliquer exactement ce que c'est de dire à Boali. Dire à Boali, légumes. Parce que les gens, ou Abtane, ouais, son dur à point légumes sont haïtiens même les wapte de skacha ouais haïtien les wapte de tabou combo à cette époque où que son l'autre bagaille ouais de karimi où que c'est bon système même donc quelque part vous le dites implicitement si le 3-3-3 haïtien il y a limite lui oui normal parce qu'on prend Tropicana septentrional, oui. C'est pas des gros références musicales pour Haïti sur le plan international. Non. C'est... Mais il n'y a pas de gens qui ont battu en Haïti. Il y a une série de jazz, tu as coupé cloré, tu as coupé cloré. Depuis le fois, pop, on dit, bon, on verra aussi. Bon, on va, bon, on va. On va parce que où est culture. On va. Direct, la musique là, bon, et puis on va, où est ouais. On va la caille ou pied cocoyer ou on va nous faire image là mais une série de musique t'as coupé Karimi t'as coupé Tabou Kombo on va une série de musique avec Kowel ou que nek ça ils font leur vision nek ça ils ont leur monde. Je pourrais raconter nous tout que Tabou Kombo tellement prend fouette dans mes cachas bon côté nous rêver. Nous faisons zanmi nous pour gagner skacha. Les skacha vu le plein monde nous a fait comme blanc combien. Mais on est nous gagne à cause zanmi nous. Est-ce que tu as une histoire ça vrai? Bon. Non. C'est-à-dire que ça que tu as gagné c'est que et l'homme vient entrer là business là. Vrai vient comprendre et moi-même toujours là skacha. Toujours là skacha la vite que skacha a frappé brim malé. Parce qu'il ne faut que pas peur pour elle garder. Garder sa cap batoua. Sa cap faut peur. Parce qu'il faut camper en face à l'adversaire pour mieux le connaître. Donc, c'est-à-dire que si un bon nègre va prendre le jazz là, tu dis, même pas pour le cache, un problème, bah, ouais, malé, je me cherche mal gardé rythmique. Il joue, c'est ça qui fait que. Musicalement, ça va influencer nous, on joue dans Tabou Kombo. Ça influence tout net de net. Ça influence tout net de net. Donc, on a fait musique, nous dit, ah monsieur, c'est comme ça, ce cache à faire, le fond d'affond bail. Nous allons faire ça? Oui, mais net de net. Pas vrai. Yo va jambler. Tandis que moi-même, ma bataille avec yo, moi-même, pour me dire, nous jouer trop vite, faut nous ralentir vite nous pour nous jouer, pour nous danser, ou pas faire mon pomper, l'ombal, c'est pas festival. Donc, comme maestro, le mine prend, là, il est ça, se cache après, il y a un problème. Parce que là, comme vite prend, ma histoire, quand il y a un face à face avec les gars, sont défis que je vais lever. Et me lever des figures.
Nous levons. Quand nous levons, ça veut dire qu'à un moment donné, vous sentiez Skacha, tu as perdu la bataille là ou bien nous passons. Skacha crasé même. Nous crasé Skacha même trois fois. Où crasé Skacha? Sans une déclaration fait là. Où crasé Skacha? Trois fois. Comment crasé là? Avec production. Laisse à monter chasser record. Qu'on y a une production pas. Et yon album, c'est quatre musiques. Dites qu'on y a. Et bien, alors, qu'on y a la Chelsea Record a produit ensemble avec Tabou Combo. Nous pas besoin ni mini record, ni musique des artistes. Nous pas besoin de quelqu'un qui pour produire. Parce que je suis producteur et distributeur. Donc, on y a la même ville entrée, premier album que je l'ai. Vous remontez. Premier album que nous venons produire ensemble, Tabou Combo avec John Record, qui m'a coûté mon paquet de coffres, n'importe 30 à 40 000 dollars au point de vue production. À l'époque, c'est beaucoup. Oui. Vous avez la Skacha baissé. L'emmoel baissé 6 mois après ou bien 1 an. Vous l'avez l'autre bail. Vous l'avez baissé, et puis Skacha crasé. Crasé, Loubé a fait number one music band. Après ça, elle fait doudou. Parce que. Est-ce que tu as fait balas Skacha? Oui. Pendant notre combo? Oui. Ah, mais c'est ça, une histoire, ça a une vérité. C'est où que tu as fait balio? Bon, je vais aller. Bon, je vais même côté que je l'ai dit, Skacha, à tenir. Et si vous voulez, admettre, vous allez aller. L'aménagé là pour production. Premier album que moi produit son album que les Nouvelle Vague. Nouvelle Vague son jazz Canada Day. Avec un bon nègre, un bon qui t'habille en karaté. Mais album non pas bon. Album non pas bon. Même des bons professeurs que les Marc Record. Marc Duverger. Peut-être qu'on a parlé de lui, de Marc Record qui produit en bonne. Et puis chaque jour, dès qu'on a la caille, Marc Record a parlé. Et puis l'homme commence à entrer là, en production, mais Marc Record lui-même, tu as besoin de filer pas mieux parce que moi-même, j'ai commencé à gagner contact aux Antilles. Pour produire Lyovan aux Antilles, donc, c'est moi-même qui ai là. C'est qu'on a un produit, monsieur, parce qu'on y a là, on compare, il faut un plaque. Donc, pour plaque, il y a un faux pour tout le monde. Marc Record, par contre, m'a fait ça. Donc, premier album qui me fait plus que. Premier album qui me fait plus que la donne, c'est Maria Skacha. Ah, ou on produit Skacha, on fait balle Skacha. Marc Record, on produit. Ah, on fait Marc Record produit, mais vous avez. Non, c'est Marc Record qui est toujours produit. Ah, produit. Le Marc Record produit Maria. Et puis le Jim Doff, sur mes 4 000, 5 000, 10 000, 20 points. Qu'on aura acheté CD dans le même jeu. Acheté CD dans le même jeu. On aura fait quoi pour produire d'abord un bateau? On a fait quoi pour produire d'abord? Faut comprendre. C'est-à-dire que faut comprendre. Les mafans produits Marc Record, mini record les mêmes fâché. Mini record pas voulu que produit Marc Record entrer l'antillon. Mais moi-même qui t'aimais les 50 cents. Je vends 10 000 albums, 20 000 albums, je fais 10 000 dollars. Hein? Et bon, je vais te dire, je fais le balio. Donc, on a la légumine au point de vue distribution. Il y a plus de bagailles. Il y a plus de scope. Et laissez-moi que tu fasses un produit, vous et monter, nous que tu vends les potes 40 000, 50 000, que Chance Record même font 50 cents. Je me 40 000, je me fais 20 000 dollars. Je me dis, oh, Cobla, ce n'est pas l'emballe allié tellement. C'est production qui aide Balio au marché. On peut dire, il y a une entrée dans l'autre. Donc, là, ça, pendant que je vends Skacha,
pendant ma bonne sketch Maria, moi-même, moi là studio nous a produit Besseba. Ah, comme Maria? Avec même combien parce que c'est ma contre comme la sortie. Alors, vous parlez de cette production Skacha, Tabou Combo, mais premier album pour le produit même, c'est vous parlez de ça, vous le savez, son album coupé? Non, quand il y a la côté que vous parlez de Skacha pour entrer l'être, vous produit un album coupé cloué en dedans, en 1981 comme ça. Là que je produis coupé cloué. En dedans. En dedans. Je coupé cloué 20 000 dollars cash. Parce que là, ça m'a vendu CD, m'a vendu plaque. Comme non, comme non. Je comme même. Je coupé cloué. 20 000 dollars. Coupé cloué, pas pour moi. Je voyais pasteur à ma main. L'homme a dit, on est en dedans, pam pam pam, quelqu'un a con con con. L'homme a 30 000 à l'album à 4 dollars. Je dis, ah bon, maintenant c'est sérieux. Comment dis-tu là? Oui. Solo disque, à cette époque, solo disque, seulement on compagnie en France, prend 10 000 albums. Ou vend 30 000 à 4 dollars. Long moi. Wow. Wow. Hein? Et pas wow, non, c'est wow. Donc laisse ça. L'aime fin fait album là, en sortie. Quand il y a une fait pétition pour dire, fait jazz là, entrez. On a un business là. Net. Donc à partir de 81, on a décollé. Décollé à toute vitesse. Ou bien comme album wap marché, wap fait bal, wap produit jazz. Ouais, c'est là que wap prend tabou comme beaucoup cloué devant des. Elle dit Skacha wap platine. Platine ou. Est-ce que c'est qu'on y a réalisé autre façon de calculer? Non, ah moi je. Mal l'école pour lui parce que je suis un professeur Martinique tout le Rémi Compet qui était fort en pelto. Elle dit que quand j'aime pour apprendre de ça l'autre monde fait pour comprendre pour que vous faites et tout. Donc on y a là, où tu mets ce cache. Mais l'homme là qui t'a beaucoup coupé cloué en face. Ma patrie où? Très bien. Production à faire. Et coupe clou en bord, tabou combo en bord, système même va paraître dans les années 80. Oui. Bon, femme dit que laisse tellement de problème. Non, mais écoutez. Système même sorti en dans. Frère des gens. Oui. En dans Frère des gens. Mais qui j'en Frère des gens à un moment à l'époque? Non, laisse Frère des gens lui-même te gagne un problème. Que t'as vivre. En Haïti. Ah, ok. C'est pendant que je suis en Haïti. Et puis, Doubi monté avec Tines. Avec tout l'autre. Ouais. Il a fait. Mais, laisse ça. L'homme fait un produit coupé, cloué. Deuxième album, système Ben. C'est moi-même qui ai un produit. Mon album qui est Hula Hoop, qui est Maman. Donc, on produit tout le monde là, non? On produit tout le monde. On produit Volo Volo, Timano. D'ailleurs, on va dire que c'est un album qui vend plus que l'album qui est sorti. On a Gemini All Stars. Timano vend un peu. Parce que l'homme sorti Timano en 1985. Je sorti un album. Timano, c'est même bagarre là, 3 mois, là, 1 mois, je ne vais pas te l'album. Est-ce que tu as dit à l'époque où tu n'as plus de scope de musicien?
moi-même, je me considère que je suis un peu comme passé là-même. Je suis un donneur. Je suis un donneur. Je ne suis pas fait comme. Je prends pour moi, je fais comme pour m'aider les gens. Ok. Yeah. C'est toujours comme ça. Parce que mon cœur qui est grand, qui est ouvert, je suis tout le monde comme des beaux besoins. Comme. Je prends des jazz, un problème. 10 000, 15 000, 20 000 m'a produit. Mm-hmm. Parce que je me suis toujours believe que plus qu'on produit, c'est plus qu'on besoin. Plus qu'on besoin. Vous comprenez? Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire que, on prend les affaires que je produis volo, je produis système ben, je produis. Je ne sais pas si je produis Skacha, mais le jeune master, mon âme de master, on va m'acheter. Vous comprenez? Timano, frère Desjean. En belle expérience. Année 80, vraiment, c'était vraiment intéressant. Mais rappelez-vous qui parlait de années 70-80 comme l'âge d'or du compas. Soit dit mon temps. L'âge d'or, vous dites. Mais ça vous dit. C'est ça un peu le monde dit. Dans les années 70? 70-80 en termes de production, d'appel production. De qualité, album a sorti, ou bien parce que tout ça qui est sorti dans un moment, tu es marché. Oui, oui. Et c'est pas exactement 70, mais on nous mettait dans les années 80. Ok, dans les années 74, mi-temps 70, ouais. Mi-temps 80. Ouais, on mettait là comme ça? Oui, mettait-le comme ça. Parce que ça fait moins de ça. Dans les années 79, 80, 81, 82, 85, quel que soit jazz la sortie, hein, la vendre 20 000 albums. Mm-hmm. À 4 dollars, ça fait 80 000 dollars. Le vinyle, vous prenez. C'est-à-dire que production. Et ça qui arrivait, mais exactement. Raison qui fait que l'album était qu'on vend comme ça tout. C'est pas parce que chaque sac qui sorti, t'es un fondement, t'es une identité là-dedans. Mm-hmm. On voit les autant de Sugar Combo, on entendait que c'est Sugar Combo. L'autant de Skacha, on entendait que c'est Skacha. L'autant de System Ben, on entendait que c'est System Ben. Mm-hmm. Les autant de frères des gens, c'est-à-dire que identifier, déjà la fois, on dit, on prend ça, c'est ouais, ouais. C'est pas même genre, on prend Kounyala, Baila, Gaté, on prend le côté que. Pas d'idée de l'identité, le côté de jazz, on va dire qui jazz, on va dire qui est ça, on va dire bon. Bah la gâte. Bah la bide. Nous venons d'entrer là, nous dans les années 80, nous pourrons prendre 90. Donc, bon, l'autre temps dans ce musical, suite Mickey, musique. Et on pourrons prendre Zinglin, 89. Ah oui, oui. Pourquoi ben ça changement ça s'explique le changement ça dans ma chère. Pendant cette année 80, ou mi-temps année 80, c'était une année fructueuse qu'on pas direct aux Antilles, nous prend pied la net dans l'année ça. Ouais, Kassav, oui, Kassav. Oui, Kassav. Ah, l'arrivée de Kassav. Ben, l'arrivée de Kassav a bouleversé le marché. Le marché, parce que Kassav paraît avec un leçon. Mm-hmm. Et on prend une forme du premier album, on prend Kassav, c'est moi-même qui on prend le produit tout. Premier album Kassav. Premier album Kassav, avec Jacob Devarieux, Jacob Decimus. Oui, oui. Mm-hmm. C'est moi-même qui ai produit lui. Et. Bah, c'est un album que tu as fait, c'est le médicament. Non, mais, allez, mais, avant ça. Uh-huh. Ouais. Avant ça, ouais, ouais, ouais. Oui, avant ça, son album qui est. C'est musique à machin. Pile Haïti. Hein? Musique à machin. Moi, j'aime petit monde pour la musique ça. La vie, c'est n'est pas facile. C'est vous d'être ça, n'a pas brûlé. Voilà. Mais, il y a frère des gens qui répondent à ça. Frère des gens qui jouent le tout. Mais Kassav vient jouer le tout. Même, ah, même. Ok. Ouais. Originalité à ses frères déjà. Originalité à ses frères. Donc elle dit Kassav, tu es qu'on a pris sous nous. Oh. Qui ça va dire là, monsieur? Jean-Philippe, tu es qu'on a chanté le frère déjà.
Là, la Martinique ou bien dans l'autre tournée? Jean-Philippe, qu'on chantait le frère déjà, le frère déjà arrivé, ils ont même fait un album ensemble. Ouais. Moi, on a suivi, on prend un compas. Même dans Saint-Domingue, tu as un jazz Saint-Domingue qu'on a interprété, moi, musique Dipi. Moi, j'ai des groupes dominicains qu'on interprétait à l'époque. Ça, les mêmes. Non, ça m'entend. Ils sont l'autre. Il y a moins de Louis Guéras qui prend la musique DP Express Land qui fait millions avec eux. Ça, les mêmes sont l'autre bagaille pour nous. On l'autre. Et sont l'autre approche, sont l'autre étude. Mm-hmm. C'est ça qui fait même que je vais jouer musique encore. Plus un produit. Mm-hmm. Parce que vision que nous avons pour un tableau combo pour nous faire jazz là, vraiment international là. Et il y a un barrage. Bon barrage. Oui, il n'y a pas de well. Vision pas maintenant. Vision pas maintenant. Il n'y a pas réellement well. Un tableau combo à parler? Oui. On ne pas beaucoup. Et c'est ça qui fait que. Parce que là tout. Là tout. Peuple. Là tout peuple, au point de vue musical, c'est une qui peut ouvrir porte. Pour l'autre. Au point. Pour l'autre. Et. Tabou Kombo nous ouvrit à pile porte. Mais en même temps, ils ont fermé un pile porte. Parce que vision que je me dégaine, les mois que c'est même gens qui sont prêts à aller. Et puis je me viens, quand je me dis bon, je vais aller à un côté, je ne vais pas battre encore. Ok, ou bye vague. Et puis je vais bye vague, si je fais l'autre bagaille. Kassav, Tabou Kombo. Comment duel ça va aller? Val, un duel tacite? Non, pas les Baïza. Gros duel. Parlez de Baïza. Bon. Kassav envahit Haïti. Kassav envahit Haïti. C'est les gens que Duvalier est tombé. Ils ont crasé télé national déchoucage. Et puis son seul type la crété. C'est Kassav là pas gagné. C'est Kassav là. Je classe ça le dit comment on dit c'est seule vidéo ça qui était arrêté. Que peuple la pas de craser ou bien les copains de sucre donc on a là il a tellement joué musique ça. Peuple la bagarre l'autre bail pour peuple attendez c'est je classe ça le dit comment on dit. On voit. De toute façon une anecdote en bail là. Non mais c'est parce que chaque bagaille a une circonstance qui cause arriver donc circonstance ça les profitable pour Kassav. Je peux tu vas y aller je classe seul médicament nous les capé jeu net et puis mon prix actuellement n'a pas parlé Jean-Claude allez Kounia là Kassav monté. Tout le monde dit Kassav. Et bien, le Jean-Claude Verdier pral de Kassav. Là, ça moi-même m'a distribué tout album Kassav par rapport avec Sonodis. C'est même qui a distribué le milieu à haïtien Miami. New York, Boston, tout le monde, et ma bonne Kassav. Mais les mois, l'album a marché, l'album a marché. Les monsieur, parce que je suis avec eux, Pierre-Edouard, les gens qui ont dit, mais ton confrère est là avec nous. Je dis qui? Je dis, Jean-Claude Verdier. Je dis, oh. Je dis Loulou, parce que c'est le nom de Loulou, qui soit appelé le Dimouché, de Kassav, pour le faire en Haïti. Je dis,
Ok. Moi-même, réservé telle date pour moi, telle date pour moi, telle date pour moi, m'a fait ça à New York. So, nous tout font tourner. National. Et non, non, je fais. Haïtia? Je fais Haïtia, nous fais Miami, New York. Nous fais Miami, New York. New York. Moi-même, je prends 3-4 septembre. Le 3 septembre, nous faisons Skash à Kassab. Et puis le 4 septembre, on va nous faire Tambou Kombo. Kassab. Monsieur, devenez pour nous prendre pour pas Kassab paraît. Il m'a tous les deux. Il m'a est Skash à le 3. Il m'a tabou le 4. Il m'a tabou le 4. Et puis, il va prendre ma quête là pour vous. Et comment nous allons réagir? Comment la musique haïtienne va réagir? Ou bien les gens qui dans le secteur va réagir face à tout, à fond ça, à l'autre ça? Tout le monde fâché, tout le monde demande qui s'arrive là pour que comprendre qu'on sache pas être là. C'est-à-dire que les deux plus grands, parce que l'époque ça, c'était Skash avec Tambou Kombo, l'autre, même il était là. Il casse trois ans, donc il peut pas tomber. Il casse les ailes, il casse les ailes, il a beaucoup de problème. Maintenant, il faut remonter la pente. Félix Lamine, bah, ça va nous tirer pour passer bien Félix Lamine comme animateur à l'époque. Yeah. Très populaire. Yeah. L'histoire raconte que monsieur était un penchant pour le Tambou Kombo Superstar. Pour le Skash numéro 1. Pour le Skash numéro 1. Et même des interventions de musiciens et Tambou Kombo dans le studio, monsieur, pour des altercations. Ça, c'est des anecdotes. Nous pouvons connaître tout. Parlez-nous de ça ou non? Bon, il a dit que Félix Lamy, c'était un Skash même. Vous bon, Félix Lamy, c'était. Vous venez un même Skash. Ah ouais, c'était un même Skash. C'est-à-dire que le next ailleurs monté, et ce n'est pas même genre avec radio. Quand il y a là, côté division, longtemps, là, tout le monde va le brancher sur Félix, mais tout le monde qui branche même pas, 8 heures, pas. Et puis, tout le pays a branché sur Félix, c'est-à-dire qu'il y a des millions de monde qui attendent, pas de pile radio. Radio, tout le monde pas de ton choix. Ah non, pas de choix. C'était un seul choix. Ou bien deux choix. C'était Félix Lamy, Rico, et puis Sakti Moultelan. Jodamas. Et puis Jodamas. C'était trois. Comment tu vis dans le Tambou Kombo? Parce que. Non, laisse ça moi-même. Une femme du pour contre carré. On prend des choix pour faire. Il faut avoir des propositions pour faire. Parce que faut qu'on pas jamais. Parce que moi-même, ça comme je fais moi-même, d'obliger proposer Félix Lamy des dates qu'il n'a pas besoin de payer et tout. Pour le faire Tambou Kombo. Hey. Et comment monsieur va le répondre? Non, monsieur, d'accord, c'est business qu'a fait. Laisse à Félix Lamy bien obligé, l'âme jusqu'à ça, l'âme jouer Tambou Kombo. L'âme jusqu'à ça, l'âme jouer Tambou Kombo tout. Parce que la vie. C'est pas pour dire que même animateur là où elle gagne madame, elle gagne petite, elle gagne machine, elle gagne responsabilité même avec un artiste là. Donc c'est à dire que gagne deux besoins, il faut qu'on facilite l'élé. Parce que l'élé doit avoir fanatisme. L'Iran, mais Skash fait le gratis pour lui. Mais l'Ovin pour. Proposer le business. Proposer le business. Il change ma c'est pas changer ma haine. Il a pas entré là. On prend le business parce qu'il n'a pas quitté Pujidel Blush. Il n'a pas quitté la machine de la panne. Il faut ouvrir le business qu'il a fait. Hein? D'accord même. Alors, Skash, tout est fait un bon temps. Pas entré en Haïti. C'était, je crois qu'il est entré en Haïti en 82. Si je ne me trompe pas, Tambou tout. Nous ne pouvons pas parler de retour Tambou Kombo en Haïti. Après tout le temps, New York, nous ne pouvons pas venir en Haïti.
Là, la retourne à Haïti, comment ça te... On va parler de qui année? Non, là nous parti. Il y a la reforme l'autre bord. Ah, papa les bras. Il faut te tourner là. Ah oui, là, faut tourner. En 1974, 1975. Ouais. Ah, moi j'ai ça, même si tu retourné. Triomphe net. Bagage sérieux net. Je me songe à ça. Laisse assez pour Dadou, basket. Après, nous faisons un petit album, 8e, ça comme. Première fois, Tabo Combo. Après, c'est ton entrée. L'entrée a été tellement triomphale, gain bon, magique, qui vient chercher jazz avec un 3-4. Et puis, bon, après nous, la machine a couru jusqu'à ce qu'elle arrive. Alors, longtemps, il y a eu ça. Cortège. C'était cortège. Et puis, bande à beaucoup, c'était belle époque. Belle arrière. Ouais. Ok, alors, on va retourner dans les années 90 encore. Là, nous allons arriver dans la fin 89-90. Nous parlons de Kassavla, nous parlons de Bagay Soutmi qui va arriver. Et Zengle va arriver en 89. Musique, Fantôme. Bon. Mais ça prend le. Le que Kassav vient faire, ravage là, Kounia là, vient en question de digital. Jazzio vient. Tout jazz qui a gagné 10 moun, 12 moun, 13 moun tombé. Ouais. Ben là, après, elle monte là. Comment vous avez ça, Robert Martino, avec Top Vice? Oui, Top Vice. Robert Chalo? Ouais. C'est l'exemple. Qui a commencé digital. Robert Chalo, c'est là que Sweet Mickey pourrait apparaître avec deux mounes. On prend trois mounes, on a négocié trois mounes. Parce que là, Jaza, ou le tambour, ou le gong. Non, il y a eu robotisé tout le monde derrière. Robotisé. Ah, mais oui. Oui, mais ça. Oui, mais robotisé parce que son mari qui programmé. C'est ça lui-même. Ouais, ouais. Donc on est là, le négociateur avec système ça. En pile, on a parlé business le crasé, bah ça va bon, deux mondes qui ont joué, pas en pile. Donc c'est là ça que tu vas tous les mêmes, tout jeune a bien préparé tout. Après ça, qu'on a devenu tu vas Top Vice, Sweet Mickey. Ouais. Donc là, Tabou Combo lui-même va sortir un album en 90, il va même qui va le son d'avoir l'autre son. Bon, album, pas qu'on a qu'un exactement, mais son album aux Antilles, Tabou Combo. Ah, ouais, non, j'ai dit que ça que nous avons fait, nous avons sorti Bambou, hein, parce que avec Mario qui quittait ton album qui est différent de Tabou Combo. On était content de leur studio. Il a dit que c'est ton album qui était programmé. Qui t'aime faire les affaires? Mario. Donc, moi, qu'on y a ce premier album Tabou Combo. Maman m'a acheté. Album ça. Donc, là, c'est un petit monde. Et m'attendais. J'aime notre petit monde. Oui. Pas les albums, en fait. Sorti, mais dans les années 90. Les moments où j'ai acheté cassette, oui. Et nous avons un album Fantôme, nous avons un System Ben, oui. Nous avons un Tabou Combo, ça va parler à Mario. Nous avons un album, nous avons une musique. Ça. Oh, là, je commence à entendre des compas. Oui. Moi-même, comme petit jeune. Vous voyez quand je commence à entendre des musiques? Oui. Dans le début des années 90, 95, 96, là, je commence à entendre des compas. Je commence à entendre des musiques, compas. Et là ça et c'est l'amour pas moi commencer tout pour compas mais et zen dans tout bazar là on cave tout pour va oui mais bon, j'ai lui même les zen par j'ai lui même t'ai un tambour bon zen t'ai ling poa et puis ling on ling code là donc c'est à dire que j'ai lui même pas avec 6 monde 7 monde. Je ne comprends pas tellement digital.
Non. Vous n'avez pas tellement dit ça. Mettez-vous pour les polémiques, zin, fantômes. Bon, ça, c'est l'autre détail. Alors, ça va me poser une question. C'est parce qu'on vit tout le bagage ça. Ou vivre tout le bagage ça. Ou parler d'enfance ou quand on commence la musique. Donc, on paquet de gros bouts de chemin. Mais il y a deux mondes qui ne parlent pas de deux albums. Je pense que c'est des références qui sont en mi-temps. Je crois que c'est entre 70 et 80. C'est l'album GM Connection, hein? Gérard Daniel, avec Mario Mayala. Et qui fait album pas son album non j'aime connection son projet son projet et il y a un autre album tout avec qui est les symphonies inachevées de qui est les bassistes encore au revoir en tout cas non mais album ça il y a des gens qui parlait de en termes de couleur musicale ou bien rythmiquement c'est album qui gagne plus instrument qu'avec un violon un contrebasse une guitare électrique une guitare sèche ou comment te comprendre sonorité album ça ou bien niveau musicalité est-ce que effectivement ça mon dieu c'est ça parce que tout le monde parle de ça le Walter de c'est pour nager collé ben c'est ça oui Le Walter de musicalement, parce que gon étude que vous faites pour qui ça telle musique marche, et bien, gagnons en question de production. C'est ça qui fait que moi-même, nous toujours tendez. Produit mini record joe très bien et de façon que orchestration harmonisation musicalement et puis au point de vue parole tout donc musique là c'est pas consacré le vent faut que les soigner et c'est ça le problème nous actuellement qui cause que gon décrèche un souci pour bien soigner sa cafeta on juste mon avis juste populaire ou mais c'est comme si ou malade on peut faire un soin mais si on peut mettre un produit musicalement faut qu'il sonne bien faut le prendre soin batterie faut prendre soin comprendre de tout c'est que musique ça va parler là c'est des musiques qui Alex Jacques le fameux le Alex oui. C'est nous ça même musique que soigner jusqu'à présent on entend des mêmes sons album ça c'est des intéressant on entend des symphonies jusqu'à des symphonies inachevées on entend des compas F Adelina, mon amour. Ah oui. Ok, ça. Non, mais c'est vrai. Bon, on va parler de lui. Zekle. Oui, on va parler de Richard. Oudmaier, parce que tu commences à connaître ça. Richard. Joël. Qui Jean Zekle? Parce que je dis que Zekle, son groupe qui a eu une chance de passer sous scène internationale, malheureusement, il a raté l'occasion. Et il a eu avec l'autre approche pour la musique. Là. Eh bien, c'est exactement ça. Quel est le problème là? Faut que produire l'homme et un distributeur avec un producteur qui a travaillé pendant toute l'année. Il ne suffit pas de sortir un album. Il faut travailler l'album. C'est pas un produit pour ce plan studio et pour faire un bel album. Et puis après ça, juste à la couche. Non. Yon album, le confinement a sorti l'album a sorti 1er janvier 2018. Et bien, on est jusqu'à 2020 pour travailler à l'album. Si vous pas frapper une série de portes pour que vous fassiez promotion, pour faire yon con l'album. On ne pas de monde qui peut le faire. C'est problème ça qui vient de vivre leur business là, actuellement, ils chantent,
yo manager, yo producteur, yo ingénieur, yo tout. Et yon pas fait bien. Et là, c'est travail 10 monde. Pour quelle raison yon compagnie, tant qu'on Motown, gagne l'an central là, gagne au moins 100 monde qui tape travail là-dedans. C'est-à-dire, au moins 100 monde qui tape là-dedans, et yon gagne des divisions dans chaque lot état. Vous comprenez ça que je dis là? Dans chaque état yo, aux États-Unis, et il y a l'autre pays, comme la France, la Chine, le Japon, tout le monde, pour faire une musique arriver. Ouais, son machine, son système, c'est pas comme son grand monde. Donc ça veut dire ça, c'est ce qu'on appelle la division de travail. Donc ça, chaque monde. A fait un bagaille et ça le compte, ça l'a fait, elle connaît, finalement, le bon produit fini qui n'est pas fait. Le tout globe la net, ouais. Mondialement. Ouais. Donc c'est exactement le problème. Pourquoi pas prendre quel côté? Why? Pourquoi pas prendre quel côté? Jamais. Parce que les nègres égoïstes, ils prennent un produit, ils ne peuvent pas diviser pour que tout. Chaque monde fait travail par eux. Chaque monde fait travail par eux. Mm-hmm. Je ne vais pas des licences. Pour prendre à aucun pays. Ce n'est pas comme ça. Moi-même, je m'apprends une musique là. En seule musique seulement, je dois avoir millions et des millions et des millions. Mais il faut le diviser. Pour chaque monde fait travail par eux. Pour chaque pays pour faire travail par eux. Mais côté problème, nous y est là. Actuellement. Bon déclaration de fait dans une interview d'offre, je parlais de business, ça va un promoteur qui est éclairé. Si on ne va pas qui cause musique nous, hein? Oui. Campé là. Oh oui, oui. Vous êtes fâché avant peut-être ça? Bon, par contre, je suis fâché, mais je ne suis pas content. Ça me connaît, je ne suis pas content. Bon, je comprends le toucher avant. Parce que là, on a parlé de depuis le commencé. Et jusqu'à présent, d'offre était vivant dans le marché musical là. Oui. Là, on a là mon album que m'a produit avec Michel Baptiste. Michel Baptiste a produit l'album. Oui. On vient travailler dans la nouvelle génération avec un paquet de formation musicale et où tu es là dans le premier jour New Look. Et c'est vous-même, par exemple, qui a acheté le premier album à la rivière, par exemple. Oui. C'était comme album ça, il y a plus de monde qui connaît. Qui a été vu qu'on passe le premier album solo à Oli. Oui. Qu'elle pas même chanté vraiment sous lui. Oui. C'est Kim Kino, Kino, t'es gagné Fossi Jordi, oui. T'es gagné Isnadou Bisouli. Baptiste. Ah, ouais, vous avez bagaille. C'est ça. C'était le premier. Je dis, la petite histoire raconte que c'est où tu prends bagaille dans ma ligne, je ne suis pas intéressé avec elle. Je vais te dire, je vais rencontrer Ali, c'était au bed avec Dieu Charles. Mm-hmm. Et puis, je te fais que ce type-là, par contre, qui diage, non, il diage au Cap. Mm-hmm. Et puis, je me suis dit, le bon produit là, il dit, bon, il faut que l'affaire, je me dis, bon, mais il est le capitaine de tout le monde que moi, chanter là, c'est mieux. Il n'y a pas le niveau pour que l'alité passe rapide. Ça me dit, monsieur, mes amis, c'est bon. Après les Doubi, Mito. Vous proposez, monsieur, l'autre monde? Oui, c'est moi qui propose l'autre monde. Je retiens les voix. Je dis, bon, je me dis, monsieur, voix seulement moi qui a passé. Même Elodé, j'ai de la même, nous démettons Elodé de côté, Elodé lui-même, c'est venu pas après. Nous mettons Freddy, Tobias, nous mettons Georgie, chanter, nous comprenons qu'on est là, c'est mon produit, mon pays, tout ça. Et ça va le faire une relation avec Ari Larivière ou font bon temps dans New Look tout? Oui, non, c'est le Sahara, c'est le Sahara. Le Wolf Design. Non, oui, l'âme de New Look, oui, mais Design oui. Avant deux albums, Explosion 2000, voilà. Match Red. Non, tu as un Match Red sous lui, tu as un album avant ça. J'ai pas son album, mais tu as un album avant ça. Album avant ça, j'ai En Bam Chargé. En Bam Chargé. Ouais. Ok, là, aventure là pour continuer, New Look. Mais avec Henri, nous on rapprochement pendant plus que. Environ 20 ans, on va dire comme ça. Ah, oui. Environ 20 ans.
Je dis à moi, monsieur, nous pas tellement à l'aise, nous pas monter bouc à deux. Nous pas à l'aise, ben nous pas tellement, nous pas à l'aise même. Ça qui passe. Bon. Côté côté division, là même côté nous commencer, ouais. Côté division sorti. Division, moi-même je vais me tout ça, c'est pour le monde. Je trouve que j'étais trop loyal, trop franc avec monsieur pour le travail, pour le combattre. Je ne suis pas capable de dire parce que le ça, le que monsieur Relem lui proposait pour le manager. C'est un moment qui était difficile en pleine colère. C'était un moment que Gazman d'abord quitté. Et Gazman doit le faire, discipline, on prend tout le bagage. Et ça qui fait que je suis capable de dire ça, je dis à la, c'est que le remords que nous n'avons pas accepté quand nous avons été mis à la coupe pour nous jouer. Non, mal. Oui, non. Je n'ai pas fait ça même. Ali, vous avez l'impression qu'Ali n'a pas sous-estimé? Non, ce n'est pas sous-estimé, non. C'est comme si on est qui prend. Et puis, la bonne parole. Est-ce que tu n'as pas occupé, monsieur? On devant là, on va le fuck-topler. Je ne veux pas jouer avec intelligence, oui, parce que c'est très intelligent. Je n'aime pas ça. L'on ne joue avec intelligence. On ne fait n'importe quoi. Mais pas jouer avec. On va dire parce que je suis à l'école. Ce n'est pas pour dire que je ne pas jouer coup, non. Comme si tu as préparé. Je dis que je vais garder pour moi. Pour ce côté, monsieur Bralé. Juste qu'il faut que et finalement ça non finalement ben l'arrivée la justice nous s'est joué tout le monde d'un coup yo nous s'est joué Lolange les joué Belin les joué tout le monde tandis que mais même on était en cours défenseur l'équipe monsieur là dit que nous t'as gourmé pour que d'ici pas effondré. Parce que d'ici c'est pas avec une force. Avec une sorte de. C'est comme si c'était un cyclone qui vient craser New Look. Et nous avons un nègre qui était là. Qui va te arriver. Non. Mais là que. Vous pensez ça finit l'hiver, vous pensez qu'on est là, nous finissons. Remonter courant. Vous pensez que nous devons monter. Et puis qu'on est là comme. Récompense. Vous pensez quoi dire. Vous pensez que vous avez ça à la main. Vous pensez. Abjé, on part en pauvre. Jamais, madame, j'aimerais ça à la main, monsieur. Madame, j'aimerais ça à la main, monsieur. Je suis venu, je dis bon, ouais, bien, monsieur. C'est son mode, il faut qu'elle y ait, bon. Et. Après, je t'accepte. Je ne vais pas dire avec monsieur même. Encore. Du tout. Est-ce que nous avons dit, ou quelque part, on est allé dans le business? Premier allons mal, c'est pour d'huile, ou dépenser comme vous faites. Est-ce que nous avons dit, élève, là, tu veux dépasser, mettre là? Ou bien, monsieur, je suis pas intelligent. Même, je pas intelligent. La solution, parce qu'on est à quatre qui est à New Look qu'on est là. Non, mais on dit New Look qui est à New Look parmi meilleurs dans ma chère, en termes de perception. Oui. Parmi meilleurs, mais. Pas le meilleur. Mais. C'est pas le meilleur. Retourne l'autre 2 ans, 3 ans, pourquoi? Parce que tu as beaucoup de beauté parmi les meilleurs, regarde le côté arrivé. Skacha, t'es le meilleur, et pas le meilleur, là tu dis que l'autre Skacha, c'est
800 moun vendredi, 1000 moun samedi, dimanche, 1000 moun lundi, 800 moun en même temps. It was funny, I was on a plane. Yo, vous venez tomber. Pas gagné éternel même. Ah, pas éternel. Non, pas. Bon, question pas poser, oui, de la fois, nous parlons, c'est ça très important. Comment vous êtes à Bukumbo? Eh bien, c'est même comme ça que je dis une question de vision. Vision. Vision de toi. Avancer pour vous. Ah, vous ne pouvez pas continuer encore? Oui, mais vision. Parce que moi-même, j'ai une vision. J'ai toujours une vision pour ta Bukumbo comme un grand groupe international. Mais si vous empêchez de travailler, si vous empêchez de travailler, on va vous aller. Nous dans le bagage, on allait rapidement pour nous finir. Vous produisez un pile album. Oui. Est-ce que vous avez une idée de quantité de musique ou d'album vous produit, je veux dire? Un pile. Un pile combien? Un pile. 300 ans. 300 albums. Donc des milliers de musiques. Oui. Je dis de musique OK. Et à acheter parce que nous toujours gagne comme pour que le ça grand problème ça a besoin de 10 000 ou 15 000 dollars on la vendre 10 15 albums acheter. Je dis à ça que change dans marché à production de disques, revirement technologie, streaming. Et l'avantage c'est qui côté lié dans CD, dans streaming. Non, avantage là pas là là on CD. Et ça qui vient arriver c'est que si on est pas de être paré pour technologie qui avancer. On voit son désavantage lié. Oui, on voit son désavantage. Moi-même, j'ai un avantage pour moi. Parce que je travaille 30 ans. 30 ans, 40 ans en production. Donc, ça veut dire DOF. Je dis à question technologie, à avantage DOF. Économiquement, dans la question musique, je dis. Oui. Je ne peux pas dire non, mais en même temps, côté des avantages là, c'est que au point de vue physique, on va nous ouvrir à l'époque, ça produit physique là. CD. On va prendre CD et album, ben, ça va aller, y aller net et il n'y a pas tout le monde. On va pour album pareil. On va pouvoir s'y divaguer, on s'y divaguer, on va finir. Pour nous, ça pour que nous, au point de vue technologique, qui gens que nous pouvons conquérir en série de l'autre marché, parce que bah, là, il est facile pour nous. Pour nous, il est sur l'autre marché. Oui, pour nous, il est sur l'autre marché. Et si nous, on ne peut pas prendre ça en main pour nous arriver sur mon yo rapide visite la tombe qui est principale activité qu'on a d'off bah ouais même relax manger bref dormir boire quoi boire de la gauche me bâtir les blés ouais et bah les manager aucun gars bah les idiots parce qu'ils sont bonnes gars. Vous avez dit revenu de l'album ou d'acheter, je veux dire, permettre de vivre confortablement. Qui l'a joué qu'on y a d'offre? 60. 60? Très bientôt 70 ans, mais. Ou toujours look young, ou un comportement jeune, si on y a regardé coupe chevaux, son couple nous a dit teenager. Et quelque part, on passe tout en. Ma décadence par rapport à la génération là. Je parle de teenager et il y aurait le grand monde de son choix de vie ou qu'on s'adapte. C'est-à-dire que, ouais, j'ai là, j'ai
Si vous avez un peu de temps, vous non, mais c'est vrai, Dof. Passez jeune. Madame Dof, vraiment belle. Vraiment belle. Non, mais. C'est vraiment ça. Et donc, ça veut dire ou tranquille. Passez jeune. Et. M'a toujours été jeune, toujours. Et jusqu'à ce que mon Dieu. Bah ouais. Physiquement, ou sentez en forme, en santé, malgré où son nez qui boit de l'alcool en pile. Savoir boire, c'est bien. Comment est-ce que vous boire d'off? Parce que vous n'avez pas de peur de ça. Vous n'avez pas la même. Vous n'avez pas de peur de ça. Depuis à l'âge de 16. Vous dites que vous à l'hôpital. Docteur a dit, son gain, ou pas gain, ou clean. Clean. Son blessing. Ouais, docteur, on prend une blessing, mais c'est pas tout le monde, non, qui est qui peut le frapper à toi. Pour te parler de l'air intelligent, à ce que ça me dit le vinaigre, il y a des gens qui leur dit, d'autres chances, ou t'as des sons à ressou, comme si il y a des gens qui ne parlent bien. Quand il y a des gens qui disent, les rivaux ont côté le balai de Dof Chancy, c'est comme si je dis, c'est Ben Laden. Comment prend balai ça? Comment prend balai ça? Parce que. Elle dit non, tellement son effort, c'est comme si le dinégro. Il y a cherché où? Son équipe cherché? Ben Laden, c'est la dégâtie. Vous prenez son équipe puissante, appelle. Mais soit dit à Moun, ça va qui vont mal, malgré tout ça. Tout le temps d'existence ou de la mafia, regardez où il est, on garde où lance ça. Là, il y a par exemple. Ou lance ça, sauter découragé, peut-être que tu as quitté la musique, marronné, sauter découragé. Mais malgré tout ce qu'on fait, qui est bien. Non, moi-même, je ne fais pas faire pour le monde que je regrette. Je suis capable de parler, mais sans faire, non. Parce que c'est pas. C'est pas on prend de l'argent qui pour on prend mettons et car c'est la façon de faire c'est on prend un problème que j'ai avec un bon monde c'est pas parce que le monde a besoin d'hypocrisie avec vous et puis ouais en face ouais ça monde a dit ouais que c'est bluffé. Voilà. Ouais. Bon, des fois, pile bas, c'est sûr, nous ne pas toucher tout le point. Non, je ne vais pas toucher. Non, pile point pour nous toucher. Mais même mon série d'émissions, je vais faire tout. Mais ça va pas être dans série. Un bon matin, peut-être, nous retourner encore sur un ensemble de détails. Mais nous faisons passer à voler sur production, passer à un tableau combo, quelques anecdotes sur changement, on a mis une nouvelle musique là. Donc, et puis nous font si voler comme ça, mais c'est important pour nous faire si bas de bouche à avoir, pour nous permettre de comprendre un ensemble de bagages dans le business musique là, parce que le business musique là, il y a un paquet d'anecdotes, un paquet de complexité là, dans le groupe qui petit bagage qui caché. Hypocrisie. Oui, on qui pas bon. Ou pas, c'est plus gros le business selon le monde, l'hypocrisie. Ah oui. Est-ce que on peut pas dire il y en a qui le vise à battre moi-même comprendre qui le m'a probablement même fait avec elle mais ça tout négio c'est hypocrisie net c'est hypocrisie pas jamais croire négio même négio dit bonjour c'est bonsoir jour négio dit bonsoir c'est bonjour jour quoi mais c'est à dire que les gars doivent pas jouer même mais quel que soit. At the end of the day, j'aime bien. At the end of the day, le gars Goma et Robin Paul fâchent avec vous. Et ou pas fait là. Thank you. Ouais. Même si vous avez un close comme ça. Close comme ça. At the end of the day, le gars Goma est dernier pour le fort. Il me dit, oh, je vais jamais faire un tel. Je vais faire ça. Et passer le gros coup caché en bas de l'homme. C'est ça le problème. Projet, je dis à la haut, dis-moi que travail, ben non, nous sommes jeunes du groupe, pour lancer, ou lancer Relax récemment là, ou Dr. Michel Batista, parlez de projet actuel là, rapidement pour finir.
pour que nous connaissions, qu'ils soient réglés. Bon, mon projet avec Michel Baptiste là. Michel, comment c'est chanté? Nous ne pouvons pas connaître qui j'ai créé. Vous avez un projet à Choubout? Oui, nous avons un projet. Choubout à jamais? Non, Choubout. Choubout, oui. Oui, mais comme on connaît un projet à la toujours. Nous avons fait une musique, nous avons au moins n'importe quel. Je suis là. Toujours là. Ou ka toujours monter sur scène n'importe anytime. C'est misé au musée, c'est le match. C'est ça que fait qu'on dit, oh, t'as fait ou toujours privé, bon. Non, je sais pas, on chante à coup Délie, François, son gros chantelier, mais on parle, pour quelle raison tout le monde est passé vite comme ça, et puis, on parle, monsieur, le même, il était côté de le miroir de l'île, Dans l'histoire Kayo, qui on l'a été visité comptablement pour trouver plus l'argent? Hein? Dans Kayo, qui l'a été visité comptablement pour trouver plus comme? Non, quand est-ce que je n'ai pas jamais gagné un peu comme? Parce que, toujours, après un produit, c'est entré, après un sorti. Ok. Mais, si vous allez garder pour tout entrer, vous allez pour un million quand même. Oui, vous allez pour un million. Ça allait même pas dit le baba immédiat. Après tout le temps, c'est. Non, c'est sûr. Oui. C'est sûr. Donc, 60 ans, 69 ans, très bien 70 ans, plus 50 ans de présence dans le business, c'est une vie faite pour la musique et de la musique. Moi, condamné pour vivre avec musique haïtienne. Hein? On va rester dans la question que si on fait tout le temps ça. J'essaie de dire que Depuis les Non, je n'ai pas jamais travaillé avec moi-même. Never. Je travaille avec moi-même. Très bien, Dof. En tout cas, merci. Je pense que si vous avez un message, je vais me quitter le soin. Pour dire un bagage, autant de dire, un bagage, si vous n'avez pas dit qui est important. Même si je promets mon yo, je vais vous faire l'autre interview. Oui, oui. Moi-même, c'est le dernier bagage, mon gars, pour me dire, c'est que.
moment ça là qu'on y a là que la date jeudi moment ça il fait mal que moi que production haïtienne je n'ai que à faire bah il qu'on y a là à marcher. Je pense que si les gens pensent à ce que j'ai fait là, ils ne vont pas prendre aucun côté. Parce que dans tout l'autre pays ou bien dans tout l'autre pays, musicalement que bah yo fait on est au pas à chanter pour manager pour distributeur ingénieur pour toute bagaille son institution lié au lieu pour un ou pas à faire et travail 500 monde à faire impossible et tout travail ça a pas changé il s'est tombé. Et message à m'aimer que toute l'autre action apprenne l'été. Chaque monde qui est avec vous, ou 100 000 monde en plus, chaque monde qui est perdu dans l'industrie ou dans l'organisation, là, et bien c'est. Comment qui j'aime hein? Nous avons dit là, c'est au point de vue spirituel, ou a perdu un bon monde. Parce que ben là, les spirituels là-dedans, c'est pas une écrite pour passer que nous-mêmes seulement qu'on va faire tout. On pense que ça fait nous-mêmes travailler à tout le monde, m'aider. On prend tout le monde. Mais là, le moment là, ben là, difficile pour comprendre. Très bien. Merci Dov, c'est un plaisir. À la prochaine. C'était Dov Chassi qui était avec nous pour te parler sur la vie, la musique. Là. Nous parler de quelques points. Même pour mettre nous, nous croiser encore, nous mettre nos festivals, nous mettre quelque chose à côté. Nous tourner sur d'autres anecdotes, d'autres détails qui permettent de comprendre mieux l'histoire business musique. Nous allons nous dire à la prochaine pour une autre interview avec une autre personnalité dans business musique.